savez, un grain d'haricot est plus grand qu'un grain de sénévé, bien-aimé. Tu as compris? Il a dit, si tu as la foi comme ça, tu vas déplacer des montagnes. Bien-aimé, nous allons continuer notre adoration. Et nous allons dire, Seigneur, à quel autre que tu ressembles, à quel autre que nous allons crier. Seigneur, à quel autre nous allons crier. Je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent.
Chante à chaque heure, tu es le roi.
tu es digne. Seigneur, alléluia. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Toi seul es digne d'être adoré. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Quelle belle journée, bien-aimé. Quelle belle journée pour adorer Dieu. Seigneur, toi seul es digne. Toi seul es digne d'être adoré. Alléluia. Bien-aimé, puisque vous savez, beaucoup se sont joints à nous au travers des réseaux sociaux. Nous allons les souhaiter tous la bienvenue parmi nous. Alléluia. Le peuple de Dieu qui en ce jour est réuni afin d'adorer le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, celui bien-aimé qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, El Dios Todopoderoso, mais oui, le Dieu tout-puissant, celui qui nous permet d'exister, bien-aimé. Mais oui, celui qui nous permet d'exister, celui qui nous permet d'exister. Sans lui, bien-aimé, nous n'existons pas. C'est lui qui nous permet d'exister. Et où est-ce qu'il nous permet d'exister? C'est parce que... Celui qui nous permet d'exister dans les lieux célestes. Alléluia. Celui qui nous permet d'exister son nom. Voilà, nous lui donnons grâce, honneur et louange, bien-aimé. Nous vous invitons, bien aimé, constamment à regarder les miracles que le Seigneur fait, d'accord? Nous vous invitons à regarder, bien aimé, les miracles que Dieu fait sur la terre en utilisant, bien aimé, ces puissants prophètes. Alléluia! Rappelle-toi de ce que dit la Bible. La Bible dit, si ce truc-là veut bien m'aider, bien aimé, ça va aller très vite, d'accord? Je vais pouvoir, je vais y aller dedans. Voilà, si je peux vous retrouver, mais je sais. Ça passe, des fois ça marche bien, des fois ça, voilà. Voilà. Marc chapitre 16, 17. Quelqu'un vient avec moi? Viens avec moi. Viens avec moi dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, 17, c'est ce que j'ai dit, Marc 16, 17. Marc 14. Voilà. Marc chapitre 16. D'accord? Chapitre. Effectivement, bien-aimé, voilà, Marc chapitre 16, verset 17, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia.
Congo. Vous savez que croire à la parole de Dieu, ce n'est pas comme l'on se dit, mais il y a une voiture bleue garée dehors. Et que tu vas, et bien tu vois une voiture bleue. C'est pas ça. D'accord? Croire en la parole de Dieu, c'est un grand paquet. Croire en la parole de Dieu, c'est, comment il va dire, confesser Jésus, l'accepter, se faire baptiser, et commencer à suivre le Seigneur, sur le chemin. Alléluia. Alléluia. Et quand tu suis le Seigneur sur le chemin, cela englobe des jeûnes, des prières, des repentances. Il y en a tout un paquet. Voilà ça. Voilà ce qu'il est en train de dire. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, alléluia, bien-aimé. Effectivement, ces signes sont au milieu du... Comment dire, ces signes sont au milieu de l'église de Christ. Alléluia. Ces signes-là sont au milieu de l'église de Christ. Il te dit, voici les miracles. Où est-ce qu'on voit les miracles? On voit les miracles dans l'église de Christ. Alléluia. Mais quelqu'un va dire, mais on voit les miracles aussi à Lourdes. Oui. Et là, je vais te dire une chose. Les miracles du Seigneur, tu ne peux pas te tromper que ce sont les miracles du Seigneur. Parce que Satan aussi fait des miracles. D'accord? Satan, ce qu'il fait, il imite. Il ne fait pas le miracle. Il imite. Tu m'as dit, elle était atteinte d'un cancer, elle a été guérie. Oui, Satan imite. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, tu entends que le Seigneur lui-même dit à ces personnes. Le Seigneur lui-même, ces personnes. Le fait que le Seigneur les a mises à sa gauche, ces personnes disent au Seigneur, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Tu entends? Ces personnes-là, ils vont dire au Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a baptisé des gens en ton nom, on a prêché la parole en ton nom, Seigneur. Et tu sais, tu connais déjà la réponse du Seigneur? Le Seigneur va voir les gars, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Il y en a un endroit, le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc tu vas comprendre que les miracles du Seigneur sont connectés avec le Seigneur. D'accord? Le Seigneur est saint, saint, saint. Donc les miracles du Seigneur sont saints. D'accord, bien-aimé? Donc voilà ce que je voulais te dire, effectivement. Les vrais miracles viennent du Seigneur. Parce que je dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. D'accord? Lorsqu'il a dit ils saisiront les serpents, est-ce que c'est saisir les serpents? Non. Les serpents de toi et moi, nous connaissons. Non. Mais vous savez, il y en a de ceux qui pensent que c'est. Oui, ils vont saisir les serpents. Voilà, ils pensent que c'est ça. Mais c'est pas ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et bien, mettez-moi de parler avec mon frère Pedro là. Qui m'a Pedro? Comment on va s'en prendre? Signons sa vie. Est-ce qu'il faisait nous ou non? Et dit, mon bégas, mon serpent. Où est-ce qu'il est en parlant? Mais. Des pessoas, vous avez des pessoas qui pèsent, qui réunissent, qui, à partir de 10 ans, qui a fait un serpent, et l'espèce qui a un serpent qui t'a, moi, toi qui, et si, moi, il faut que moi, si t'as joué, si, mais si t'as joué, vous avez si, vous avez un serpent, donc là, si vous avez un serpent, vous pouvez continuer.
Non, ils sont. Et pour parler, je explique à vous, ici, à Genoa, tu vois, Esprit Saint, à Genoa, on va être aidé ici. Et l'Esprit Saint qui va abrir nos amis pour nous entendre, qui est ça qui non, on va se peindre. Naturellement. Alléluia. Amen, bien aimé, donc je voulais parler avec notre frère Pedro pour expliquer quelque chose. Tu comprends? Comme nous, parlez Dieu dans ses mains. Parce que soit les Dieu dans ses mains, il y a pas vous savez, vous dites, mais parole mon Dieu qui a dit. Mais voilà si vous dites, mais oui, mais parole, Bible a dit, je vais tuer mes serpents. C'est vrai. Soit on serpent là-bas, on va les tuer, non. Il y a pas vous savez, parce que vous dites, mais même Bible a dit, je vais tuer mes serpents. C'est pas ça? Attention! Attention. Le serpent dont il est en train de parler, bien aimé, c'est puissant. C'est plus puissant que le serpent dont nos yeux voient. Tu sais c'est quoi? Le serpent là? C'est quoi le serpent? Il parle là, il parle du péché. Il parle du péché. Et c'est pourquoi que comme le diable a utilisé le serpent pour entrer dans le serpent afin de faire Ève pécher contre Dieu, Dieu a mis dans le serpent un venin mortel. Bien aimé, il y a des serpents sur la terre, cela se trouve en Afrique. Ils te piquent la patte, tu n'as pas 5 minutes de vie. Donc oui. Il y a des serpents, cela se trouve en Afrique. Il te pique là, tu ne tiens pas debout 5 minutes, c'est fini. On n'a pas le temps de t'emmener à l'hôpital, on n'a pas le temps de faire rien avec toi. Est-ce que tu comprends? Toi et moi, nous ne devons pas jouer avec le péché. Alléluia. Dans d'autres mots, mon frère, ma soeur, il est en train de te dire que ce que Dieu a, comment il dit ça? Dieu sépare toujours ceux et ceux qui lui appartiennent. Donc, Dieu les sépare. Adam et Ève étaient séparés pour Dieu. Vrai ou faux? Oui. Tout le monde va dire oui. Adam et Ève étaient séparés, mis à part pour Dieu. Dieu les avait faits pour lui. Et justement, ce serpent-là dont nous sommes entrés dans le Seigneur, nous a conduit dans ce chemin, effectivement. Donc, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Donc, oui, ce qui s'est passé. Donc dans ce passage de Luc 16, 17, je le reprends. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mais chasser des démons dans le nom du Seigneur Jésus, c'est parce que tu es sur les traces du Seigneur Jésus. Tu es un homme, une femme qui a une vie de sanctification. Et une vie de sanctification, c'est une vie de jeûne et de prière constamment. Alléluia. Comprends la différence des deux miracles. Hein? Il a une vie de prière constamment. Il a un chemin de mise à part. C'est quelqu'un qui fait tout pour plaire à Dieu. Il ne fait rien pour se plaire ou plaire à sa femme ou son mari. Hein? Mais il fait tout pour plaire à Dieu. Il dit bien, en son nom, ces personnes-là vont chasser les démons. Ces personnes-là parleront de nouvelles langues. Mais bien aimé, lorsque tu entends parler de nouvelles langues, les gens pensent que c'est lorsqu'ils sont là, ils sont en train de parler un jargon que personne ne comprend. Tu comprends? Ils pensent que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Tu n'as jamais étudié l'allemand. Puisque bon, le Seigneur t'emmène dans un endroit, tu es en train de parler, tu es en train de parler allemand. Tu ne sais même pas c'est de l'allemand que tu es en train de parler, mais tu es en train de parler pour ceux qui sont là, ils sont en train de comprendre, bien aimé. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront les serpents. Bien aimé, ceci est un puissant miracle. Lorsqu'un homme
sa vie et réussit à s'éloigner du péché. Ceci est un puissant miracle. Pourquoi c'est un puissant miracle? Parce que Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Donc cela veut dire, ce n'est pas que lorsque tu te réveilles le matin là et qu'il est à ta porte, hein, c'est pas ça. Hein? D'accord? Non, c'est pas ça. Non. Dans d'autres mots, Dieu est en train de dire à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Le péché se couche à la porte de ton cœur. Pourquoi Dieu lui dit que le péché se couche à la porte de ton cœur? Parce que le cœur, c'est le quoi? Le centre de toutes les intentions de l'homme. Avant que cela ne vienne dans ses pensées, cela se forme dans le cœur. Donc Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur. Donc tu vois, donc, le péché se couche quelque part pour qu'il ne puisse pas te rater. Mais Dieu lui a donné quoi? Une clé. Et Dieu lui a dit, oui, d'accord, il se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le Seigneur lui a donné, dans d'autres mots, le Seigneur lui a donné l'autorité. Le Seigneur lui a donné l'autorité. Tu comprends, c'est pourquoi qu'il dit que personne ne sera tenu innocent devant Dieu. Parce que Dieu a donné l'autorité à chacun d'entre nous. Et l'autorité que Dieu nous a donnée, tu peux dire non. Tu as le pouvoir de dire non. Voilà. Tu as le pouvoir de dire non. Donc effectivement, le péché se couche à ta porte et le péché va représenter ici le serpent. Comprends encore, je comprends. Le péché va représenter le serpent. Et, je comprends, Dieu a mis dans le serpent ce venin mortel. C'est pourquoi tu vois que tous les hommes ont peur des serpents. Tous les hommes ont peur du serpent dont leurs yeux voient. Mais ce n'est pas ce serpent-là dont toi et moi nous devons avoir peur. Non. Parce que ce serpent-là dont toi et moi nous voyons, son seul pouvoir, le seul pouvoir de son venin, c'est de faire quoi? De tuer le corps. Oh, Dieu nous dit, ne crée pas celui qui tue le corps. Mais crée plutôt celui qui a le pouvoir de non seulement de tuer le corps, mais d'envoyer l'âme en enfer. Dans d'autres mots, il te dit que toi et moi, nous devons avoir peur de quoi? Du quoi? Péché. Toi et moi, nous devons avoir peur du péché. Si je dis à l'appli qu'à tomber, on va dire non, trop l'appli, moi, pareil, l'église. Ou qu'à péché. Ça veut dire qu'on va mettre l'appli en l'air, mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mais oui. Frère, effectivement, c'est facile pour pécher, non? Pourquoi tu dis que le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur? Est-ce que je dis à l'appli qu'à tomber, on va nous bailler travail? Hein? Ah, même si bon Dieu voyait la neige en Guyane, on va dire, on va y travailler quand même. Parce que si mon bail travail, il va tirer de l'argent. N'est-ce pas ça? Ah, bon, je t'ai chauffé, c'est nous bailler, c'est qui vous nous bailler travailler? Ok. Ok, si vous nous faut travailler, on va essayer de comptable. Mais c'est la même chose, bien aimé. Donc, c'est facile de pécher, bien aimé. C'est très simple parce qu'il te dit le péché se couche à la porte de ton cœur. Et qu'est-ce que Dieu dit, hein? Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, veille sur ton cœur. Bien aimé,
ayant chez lui caché une somme d'argent. Quand quelqu'un a de l'argent, il a mis de côté une grosse somme d'argent chez lui caché. De temps en temps, la personne va là et prend tous les paquets et il compte. C'est son plaisir. Donc, il est en train de compter, il est en train de veiller que l'argent est bien là. Ou bien il va et regarde est-ce que le coffre est bien fermé. Il ouvre le coffre, il regarde s'ils sont bien là et il le referme. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit de veiller sur ton cœur plus que tu veilles sur l'or et sur l'argent. Amen. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, frère bien-aimé, tu comprends que il y a des choses puissantes qui nous échappent. Et il te dit, la dernière partie du verset 18, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il te dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, bien aimé, les signes, les miracles qui vont accompagner bien ceux qui auront cru. Il y a une chose que je veux dire, puisque vous savez, il y en a des personnes qui comprennent la parole de Dieu comme littéraire. Hein? Il peut avoir, comment dire, rappelle-toi de ce que Dieu dit. Tu es un aveugle qu'on emmène tous les jours pour s'asseoir à la porte du temple. Pourquoi on emmenait l'aveugle tous les jours assis à la porte du temple? Eh bien, on emmenait cet aveugle-là tous les jours assis à la porte du temple parce que cette personne demandait de l'argent. Et figure-toi que cet argent dont il demandait, ça n'allait pas dans sa poche, non. Ça allait dans la poche de ceux qui le déposaient là. D'accord? Et il te dit, Pierre et Jean allaient au temple tout le temps pour prier. Tous les jours, ils devaient monter, ils devaient passer là, ils devaient voir là, assis là. À la porte du temple, le voyait. Mais il y a un jour qui est arrivé, un jour que Dieu avait marqué déjà un rendez-vous avec eh bien, cet aveugle. Hein? Dieu avait déjà marqué un jour avec pas cet aveugle, avec cet homme boiteux là qui ne pouvait marcher. Dieu avait déjà noté un jour pour lui. Et un jour, il te dit que pendant Pierre et Jean, ils allaient entrer dans le temple. Ils allaient entrer dans le temple et il les demanda quelque chose. Mais ce jour-là, Dieu avait fixé le rendez-vous. Tu as compris? Ce jour-là, Dieu avait fixé le rendez-vous. Et à ce moment-là, ils l'ont regardé. Pierre l'a regardé et a dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Mais ce que j'ai en moi, je te le donne. Waouh! J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, tu es l'ami et moi. Alléluia. Amen. La Bible ne nous dit pas ça fait combien de temps qu'il était assis là et que Pierre et Jean entraient tout le temps. Regardez. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, il y en a des gens qui aiment poser les mains. Ils voient un malade, ils auraient posé la main. Qui vous dit ouvrir ça? Ah, mais la parole de Dieu dit, attention à toi. Attention à toi. Oui, je sais, la parole de Dieu dit. Mais sur l'heure, qui est-ce qui t'a parlé pour aller imposer les mains là? Tu ne sais pas que ceux qui ont la parole du Seigneur ne sont pas guidés, comment il dit ça, ne sont pas guidés charnellement. Tu ne le sais pas?
Tu ne sais pas que ceux qui ont la parole du Seigneur ne sont pas guidés charnellement? Tu ne sais pas? Non. Ils attendent que le Seigneur les dise, impose les mains. Le Saint-Esprit les dira, impose. Et là, ils vont imposer. Dans notre corps, bien-aimés, ils seront des instruments à ce moment-là, parce qu'il y a un moment que Dieu a choisi. C'est pourquoi que toi et moi, nous ne devons pas marcher dans, comment dire, charnellement. Mais nous devons marcher comment? Comment il dit? Nous devons marcher spirituellement. Alléluia. Nous devons marcher spirituellement. Bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Je vous donne un exemple, puisque les exemples que je vous donne, ce sont des choses qui sont passées avec nous. Le Seigneur nous a fait passer par ce chemin-là. Nous avons été voir un... quelqu'un, voilà, nous a, voilà. Quand nous avons été voir le frère là, sur son lit, il était pour mourir là, sur son lit de mort, je dis, voilà. Quand nous sommes arrivés là, effectivement, nous n'avons imposé les mains à personne, bien aimé. Vous avez compris? Nous n'avons imposé les mains à personne. Non. Nous avons conduit les personnes à Jésus. Voilà. Nous les avons conduits à Jésus. Ensuite, bien aimé, nous avons prié pour eux. D'accord? Nous avons prié pour eux et nous sommes partis. Vous avez compris? Nous sommes partis. Et le Seigneur nous a ramenés chez eux 3 semaines après. Faites-moi, mais le monsieur, il est malade, il va mourir. Il faut aller là tous les jours, mais toutes les semaines, il faut aller prier pour lui. Ceux qui sont guidés par l'esprit marchent différemment de ceux qui sont guidés par la chair. Vous avez compris? Ceux qui sont guidés par l'esprit ne sont pas pareils que ceux qui sont guidés par la chair. Des fois, tu vas à l'hôpital. Le Seigneur t'envoie à l'hôpital, il va à l'hôpital faire des visites. Tu vas à l'hôpital faire des visites, voilà. Et le Seigneur te conduit vers quelqu'un, voilà. Et puis la personne reçoit le Seigneur, voilà. Et puis il voit le Seigneur te faire rester 1 mois avant de retourner là-bas. Et le problème, mais il faut aller chaque semaine, il faut aller là, aller le voir. Ça dépend comment tu marches, ça dépend. Tu comprends ce que je te dis? Alléluia. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est malade là au milieu de nous, là, tout le temps, là, la personne est là. La personne vient constamment, voilà. Mais il y a un jour, peut-être que le Seigneur a déjà déterminé pour glorifier son nom dans cette personne. Je vais te donner un exemple, bien-aimé. Lorsque tu vois dans les cultes de miracle du Seigneur, waouh! Il y en a des dizaines et des dizaines de personnes assises dans des chaises roulantes. Oui! Et pas dans la réunion, nous regardons, bon, on arrive à les compter, parce qu'il y en a tellement, on n'arrive pas à les compter. Mais je dis, madame, si par exemple les 40 personnes, les 30 personnes qui sont là assises en 16 roulottes, le Seigneur va lever 2. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le Seigneur va lever 2. Il fait combien de fois? Alléluia. Le Seigneur fait, bien-aimé, comme il veut. Il n'a pas d'ordre de recevoir de qui que ce soit. Alléluia. Donc le Seigneur n'a pas d'ordre de recevoir de qui que ce soit. D'accord? Pas plus que ceux qui appartiennent au Seigneur n'ont pas d'ordre à recevoir de Satan. D'accord? Prince des ténèbres. Venez avec moi, Exode chapitre. Allez dans le livre de l'Exode, nous allons trouver le chapitre. Et le verset, livre de Exode, voilà. Ok, voilà. Exode, le chapitre 26. Chapitre 26 du livre de l'Exode, verset 33. Exode 26, 33. Afin que tu puisses comprendre que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, ce sont des personnes comment? Séparées.
Ce sont des personnes, bien-aimées, mises à part. Ce ne sont pas des personnes qui sont connectées avec leur famille. Comment, effectivement, ils ne sont pas connectés avec leur famille. Dans notre monde, il faut comprendre ce que je veux, ce que le Seigneur dit. Dans notre monde, tu es en train de servir le Seigneur. Alléluia. Ta famille ne veut pas servir le Seigneur. Ta famille ne sert pas le Seigneur. Toi, tu sers le Seigneur. Tu ne dois pas être chez ta famille, en contact avec ta famille, comme ça, aller chez eux. Tu sers le Seigneur. Et lorsque tu sers le Seigneur, tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas intercéder pour ta famille. Tu vas jeûner pour ta famille. Alléluia. Mais tu ne devras pas être constamment chez eux, assis à leur table en train de manger. Est-ce que tu comprends? Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas intercéder pour eux. Parce que tu es quelqu'un que Dieu a mis à part, que Dieu a séparé. Bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé. Lorsque le pasteur vous parle, lorsque le pasteur, dans le message, il glisse un témoignage, c'est parce que Dieu m'a fait passer par là. Tu as compris? Parce que Dieu m'a fait passer par là. Que quand tu es en contact, quand tu es en contact avec ces personnes qui ne veulent pas de Dieu, qui ne servent pas Dieu, quand tu es en contact avec ces personnes, bien-aimées, dans d'autres mots, comme je dis, leur péché te contamine. Est-ce que tu le savais? Leur péché te contamine. Ah, c'est fort ce que le pasteur dit là. Hein? Tu es en contact avec eux, leur péché te contamine. Cela te permet de comprendre pourquoi ils nous demandent constamment de nous repentir. Faites attention. Élevé. Ceci, tu comprendras lorsqu'il te dit, veille sur tes yeux, veille sur tes oreilles, veille sur ton corps tout entier. Parce que le tout t'appartient au Seigneur. Veille, parce que tu as été mis à part. Mais comme je dis, malgré toi, malgré nous, nous sommes en contact aux personnes, avec les personnes. Mais c'est pourquoi il a mis la repentance constante, afin que nous puissions nous repentir. J'étais en contact. Parce que vous savez, dans mon travail, hein, je rencontre beaucoup de personnes. Hein. Malgré moi, je rencontre beaucoup de personnes. Et justement, j'étais en contact. Parce que ça s'est passé dans l'autre semaine là. J'étais en train de décharger de la marchandise. D'accord? J'étais en train de décharger de la marchandise j'utilisais la machine, parce que je ne voulais pas laisser la machine pour eux, parce que voilà, la machine avait un souci, donc j'utilisais la machine. Et dans le véhicule, dans le camion, il y avait quelqu'un là qui écoutait cette musique chrétienne là. Vous savez, les musiques chrétiennes de l'apostasie là. Parce que vous savez, il y en a deux types de musique chrétienne, d'accord? Il était en train d'écouter ça, mais hein? Il était en train d'écouter ça. Pendant qu'il écoutait ça, moi, ça me gênait. De temps en temps, je descendais, après je remontais, je revenais. Ça me gênait, et puis en même temps, je bouillais, je dis, Seigneur, voilà, parce que ça, c'est pas un truc de musique, je pas ça. Vous savez, bien aimé, la nuit, pourquoi le musique au problème, je t'ai dit que tu es contaminé. La nuit, bien aimé, la nuit, j'ai eu un rêve. Quand je me suis levé le matin, j'ai dit, je le savais. J'ai dit, mais Seigneur, effectivement, tu
comprends? On n'a jamais fini d'apprendre avec le Seigneur, parce qu'il y a des choses très puissantes. Il dit, mais Seigneur, effectivement, nous prêchons cela, effectivement, mais tu ne nous avais jamais fait passer par ce type d'expérience. Et le Seigneur m'a dit, oui, effectivement, c'est la musique dont tu as écouté, dont tu as entendu hier, la musique qui te gêne. C'est pour ça que tu as eu ce genre de rêve. Seigneur, c'est terrible, c'est puissant ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ah, mais c'est de la musique, c'est rien. Qui ça? Eh bien, tu n'es pas né de nouveau, hein, d'accord? Parce que celui qui est né de nouveau, lorsqu'il est à un endroit où est-ce qu'on parle de femme, on parle d'homme, il ne se sent pas dit, il s'en va, il reste pas. Oui. Celui qui est né de nouveau, lorsqu'il entend le royaume de la musique mondaine, bien aimé, malgré lui, il doit être dans cet endroit pour faire ce qu'il doit faire, il le fait, mais il ne se sent pas bien. Tu comprends? Il ne se sent pas bien. Et c'est pourquoi je te dis que Dieu a mis en place la quoi? Repentance. Dieu a mis en place la repentance parce que malgré toi, tu vois, c'est ce que la Bible appelle des péchés, comment? Involontaires. Oui, ce sont des péchés, est-ce que tu comprends? Ce sont des péchés involontaires. Donc, nous devons nous repentir, bien-aimés, à cause de ça. Donc, le mot, il dit le mot séparation. Exode 26, 33. On a, c'est le dernier verset, je pense que nous avons lu. Et la dernière fois, voilà. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Bien-aimé, rappelle-toi le mot séparation. Toi et moi, jamais nous ne devons oublier ce mot-là. Le mot séparation. Dis-toi que Dieu t'a séparé. Dieu t'a séparé. Dieu t'a séparé. Dieu t'a mis à part. Alléluia. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as fait la confession de foi. Confession de foi. Tu as été baptisé correctement. Tous ceux qui ont été baptisés correctement, parce que beaucoup le sont, mais ne le sont pas correctement. Tu as été baptisé correctement. Cela veut dire que Dieu t'a mis, comment? Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part. Afin que tu puisses bien lui appartenir un bien lui-même. Dieu t'a mis à part. Viens avec moi dans le livre de Exode 40. Exode 40. Exode 40. Exode. Exode le chapitre 40. 40 du livre de l'Exode. Verset 21. Exode 40, 21. Amen. Il te dit, il apporta l'arche dans le tabernacle. Ensuite, il plaça le voile qui sert de rideau et il encouvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné. Il a placé, comment dire, il a placé le voile qui sert de rideau afin qu'il ait une séparation. Il a placé le voile afin qu'il ait une séparation. Hein? Afin qu'il ait une séparation. Dieu est un Dieu bien-aimé qui sépare son peuple.
il met son peuple à part. Voilà, 40-21. Et Esaïe, viens avec moi, Esaïe 50, arrive dedans, Esaïe 59. Esaïe 59. Esaïe chapitre 59, 59 verset 2. Esaïe 59 verset 2, qu'est-ce qu'il me dit? Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, bien-aimé, tu vois que Dieu a mis une séparation. Dieu a mis une séparation. Pourquoi Dieu a mis une séparation? Parce que Dieu a séparé ceux qui lui appartiennent. Dans d'autres mots, ceux qui sont saints pour Dieu, Dieu les a séparés. Je répète, ceux qui sont saints pour Dieu, Dieu les a séparés. Et lorsque tu lis Esaïe 59, verset 2, il te dit, ce sont vos fautes qui vont mettre une séparation entre Dieu et toi. Dans d'autres mots, Dieu t'a séparé pour lui appartenir. Pour lui appartenir, il t'a séparé, il t'a mis à part. Et si maintenant, tu te mets à faire des fautes, que va-t-il se passer? Tu te mets à faire des fautes, et les fautes égale péché, tu te mets à pécher, donc il y en aura une séparation entre toi et Dieu. Pourquoi tu pries, et tu n'as pas de réponse? Nous prions, et nous n'avons pas de réponse. Pourquoi? Il y a un problème. Puisque si je lis, je garde la parole du Seigneur, je vais savoir que le Seigneur dit, il criera et je lui répondrai. Et il y a un endroit, il me dit, avant même qu'il crie, puisque Dieu voit le cœur, avant même qu'il crie, je serai là pour le soutenir. Et pourquoi tu cries, tu demandes, tu appelles au secours, et c'est le silence. Parce qu'il y en a une séparation. Bien aimé, c'est très clair. Parce qu'il y en a une séparation entre toi et Dieu. Et la séparation, qu'est-ce qui va créer cette séparation? C'est le péché. C'est le péché qui va créer cette séparation. C'est le péché, mon frère, ma soeur, qui va créer cette séparation. Il est bien clair, c'est votre péché qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit, la seconde partie du verset 2, ce sont vos péchés qui vous cache sa face. Wow. Le péché, dans notre métier, le péché, c'est une quoi? Une barrière. Le péché va créer une barrière entre toi et Dieu. Et tu vas comprendre très clairement que le péché va créer une barrière. Lorsque la barrière est fermée et quelqu'un passe dans la rue, est-ce qu'il voit ici? Non. Et c'est de là que tu vas comprendre, il te dit, ce sont vos... Et ceci, la barrière va l'empêcher de vous écouter. Il te dit, vos péchés vous cachent la face de Dieu. Alléluia. Nos péchés va nous cacher la face du Seigneur. Et à partir du moment, bien aimé, il y a ce voile. Dans le moment, le péché va créer un voile, c'est bien ça, un voile. Puisque si on met un voile ici, personne ne voit rien, effectivement.
Donc, lorsqu'il y a le voile du péché, tu vas prier. Dieu ne va pas t'entendre. Parce qu'il y a une séparation. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il est mentionné dans la parole de Dieu que les yeux du Seigneur sont quoi? Sont sur ceux qui le craignent. Et craindre Dieu, bien aimé, ça veut dire quoi? Craindre Dieu, c'est respecter la séparation dont Dieu a mis entre moi et le péché. Respecter, prendre à cœur que Dieu a fait de moi un, comment on dit, un sacerdoce. Est-ce que ça vous dit? Jésus a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc moi je devais respecter cela. Un sacrificateur marche-t-il dans le péché? Et c'est ici que toi et moi nous allons voir le pourquoi que la robe du sacrificateur, tout en bas, il y en a des clochettes. C'est pour lorsqu'il est dans le temple, il marche, il est entré dans le lieu stressé, il marche. On entend qu'il marche, on entend, ça veut dire qu'il est vivant. Et pourquoi on lui attachait une corde dans les reins et que la corde allait dehors? C'est pour lorsqu'il tombait là, bien aimé, personne ne pouvait entrer là. Tu as compris? Personne ne pouvait entrer là. Donc, mon frère et ma soeur, comprends que Dieu a mis son sacrificateur, mais Dieu connaît toutes choses et Dieu prend ses précautions, bien aimé. Voilà, Dieu prend ses précautions. Attachez-le, mettez-le une corde au rein et que la corde va à l'extérieur. Parce que s'il était entré indignement là, il restait là. Et qu'à partir du moment qu'il est là, personne ne peut entrer là. Non! Personne ne peut entrer là, bien aimé. Il y en a une séparation entre Dieu et le péché. Mais oui, il y en a une séparation, bien aimé. Toi qui es quelqu'un que Dieu, tu es une personne que Dieu a eu pitié, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a mis à part. Alléluia. Donc tu devras honorer, toi et moi, nous devons honorer cela. Nous devons honorer cela. Bien aimé, pourquoi que Dieu met son peuple à part? Dieu met son peuple à part, bien aimé, c'est pour pouvoir un bien délivrer son peuple. Mais oui, est-ce que tu as compris, bien aimé? Qui le péché va créer justement bien cette séparation et que Dieu, dans tous les coups, met son peuple à part. C'est pourquoi il te dit, comment tu vois, il te dit cela, c'est pourquoi Dieu va faire la sélection dans la sélection. Dieu va prendre son église dans l'église. Dieu va prendre son peuple dans l'église. Est-ce que ça va oui? Dieu va prendre son peuple dans l'église. Rappelle-toi, elles étaient 10 vierges. Connaissant le Seigneur. D'accord? Connaissant le Seigneur. Savait ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur n'aime pas. Si, elle connaissait le Seigneur. Mais, comment peut-il me dire, tu peux me dire qu'elles étaient 10, il en a pris 5, il en a laissé 5. Eh bien, parce que tu en avais 5 qui étaient désobéissantes. Comme les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ils s'imaginent que le cœur des parents sont disposés pour eux. Non, si l'enfant est désobéissant, mon cœur ne sera pas disposé pour lui. Alléluia. Quand l'enfant est désobéissant, lorsqu'il aura besoin de moi, je ne vais pas écrire, je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas répondre. Amen.
Quand l'enfant est désobéissant, l'enfant va crier vers moi, je ne vais pas répondre. Ah oui. Si toi et moi nous sommes désobéissants, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Voile de séparation, il va pas attendre. Voile de séparation, il ne va pas t'entendre. Même s'il veut t'entendre, il ne peut pas t'entendre. Parce qu'il y en a un. Voile de séparation. Bien aimé. Il y a plein d'églises ici. À cette heure aussi où nous sommes réunis. Là, ils sont tous réunis, bien aimé. Ils sont tous réunis. Et tous s'imaginent que Jésus viendra dans 50 ans, 30 ans. Jésus est sur le point de venir, bien aimé. Jésus est sur le point de venir. Personne ne s'imagine comment que l'enlèvement de l'église, bien aimé, est proche. Personne ne peut s'imaginer. Parce que tu sais, toi et moi, nous allons mettre de l'argent de côté, effectivement. Mais cet argent dont nous allons mettre à côté, ce n'est pas pour durer 50 ans. C'est pour un temps. Viendra un temps où nous allons vraiment puiser dans cet argent. Tu comprends? Viendra un temps où toi et moi, nous allons puiser dans cet argent. Il vient un temps qu'on va aller puiser dedans. Jésus a mis son église de côté, les a séparés. Mais viendra un temps où Jésus viendra les récupérer, bien-aimés. Viendra un temps où il va venir les récupérer. Et bien-aimés, si tu marches dans le péché, tu ne vas pas entendre la voix du Saint-Esprit. Non. Tu ne vas pas entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit, prépare-toi car le Seigneur est sur le point de revenir. Le Seigneur est sur le point de revenir. Le Saint-Esprit va te parler, mais tu ne vas pas entendre à cause du voile de séparation, le péché. À cause de ce péché qui est constamment là, chez toi, tu ne vas pas entendre cette voix. Alléluia. Ézéchiel 42. 42 d'Ézéchiel, chapitre 42. Voilà, verset 20. Ézéchiel 42, verset 20. Ézéchiel, le chapitre 42, le verset 20. Il me dit, verset 20, il mesura le tour de la muraille aux quatre points cardinaux. La longueur était de 500 cadres et la largeur de 500 cadres. C'était la séparation entre le saint et le profane. Alléluia. Séparation entre le saint et le profane. Les 10 vierges, ça représente quoi? L'église. Les 10 vierges, ça représente l'église. Tous ensemble en train d'adorer, etc., etc. Voilà. Et au moment, bien aimé, au moment d'entrer dans la salle des noces, il y en a eu une. Au moment d'entrer dans la salle des noces, bien aimé, il y en a eu une. Une quoi? C'est là qu'on a vu, bien aimé, c'est là qu'on a vu, eh bien, vraiment la séparation. Parce qu'il te dit que il y a la séparation que Dieu a faite, puisque ce sont les 10 vierges, c'est l'église, elles sont là, oui. Elles sont séparées, la séparation, effectivement. Mais dans la séparation, il y a des choses que nous devons respecter. Il y a des choses que nous devons respecter dans notre
promo, le frère est en train de suivre. Constamment, il y a eu la mise en voie. Dieu a fait la séparation. Voilà. Dieu a fait la séparation. Et dans la séparation, chacun individuellement est connecté avec le Seigneur. Chacun est connecté. Donc, dans cette église, la bien-aimée, tu en as sept qui étaient constamment connectés avec le Seigneur, qui avaient l'onction du Saint-Esprit, qui faisaient attention à l'onction qu'elles avaient reçue. L'onction du Saint-Esprit que tu as reçue le jour de ton baptême. Elles gardaient cette onction. L'onction dont tu as reçu le jour de ton baptême. Donc, elle gardait, bien aimé, cette onction. Et il y en a sept qui ne faisaient pas attention à cette onction. Elles étaient là, oui, elles étaient séparées, mais elles ne faisaient pas attention à cette onction. Alléluia. Donc, dans cette sélection, dans cette séparation, bien aimé, il y en a eu finalement cette sélection que le Seigneur a faite. La sélection que le Seigneur a faite. Et finalement, eh bien, le Seigneur a pris 5 sur les 10. Ézéchiel 42, je disais, verset 20. La séparation entre le saint et le profane. Donc sur les 10, il y en a 5. 5. Qui profanaient l'onction. Et il y en a 5. Qui faisait attention avec cette onction. Parce que tu comprendras, lorsque le moment est arrivé pour entrer dans la salle des noces, ils ont dit, mais oui, effectivement, donc on n'a plus d'onction. Mais oui, pourquoi vous n'en avez plus d'onction? Si tu n'en as plus d'onction, cela veut dire que tu as été comment? Déconnecté. Alléluia. Chacun des membres de l'église doit être connecté avec le Seigneur. La mère ne va pas sauver sa fille. Le père ne va pas sauver son fils. Tu as compris? Chacun doit avoir sa connexion individuellement. Mais oui. Amen. Le mari ne va pas sauver sa femme. La femme ne va pas sauver son mari. Parce qu'il te dit de deux qui dorment dans un lit. Il prend un. Et il laisse l'autre. C'est pour te prouver que chacun doit avoir sa connexion. Tu as vu, il y en a plusieurs lampes ici, tu vas voir ces deux-là. Si une elle se déconnecte, donc si tu déconnectes une, elle s'éteint. La lumière de celle-là ne va pas faire celle-là s'allumer, non. Alléluia. Donc, nous sommes tous effectivement là, mis à part pour le Seigneur. Mais chacun a un chemin bien précis devant la face du Seigneur. Et tu comprendras, chacun d'entre nous avec sa difficulté différente. La difficulté du frère Pedro n'est pas la même que le mien. Ce sont des difficultés. Hein? Mais sa difficulté n'est pas la même avec le mien. La difficulté de la sœur n'est pas pareille avec le mien. Chacun avec sa difficulté. Chacun avec la mesure de foi que le Seigneur donne afin d'avancer même dans la difficulté. Est-ce que tu comprends? Donc, nous devons, bien aimés, maintenir bien cette onction-là. Parce que tu en as les profanes, voilà, hein, il te dit, il y en a celles qui étaient profanes, qui profanaient l'onction. Bien aimés, afin que toi et moi nous puissions voir comment qu'elles étaient profanes. Lorsqu'on les a dit, mais allez acheter c'est chez ceux qui en vendent, parce que si on vous donne de notre part, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Donc allez acheter. Tellement qu'elles étaient profanes, bien aimées, elles sont parties acheter. Tu vois? Tellement qu'elles étaient profanes, elles sont parties acheter. Est-ce que tu comprends? Si vous ne pas gêné,
Qui va lui envoyer encore de l'onction, cet esprit-là? À savoir qu'en onction, cet esprit, ça va être spirituel. Il faudra aller chercher ça spirituellement. En son de l'esprit, ça devient ma quoi spirituel. Vous êtes qui vous chahit spirituellement. Alléluia. Dans le jeûne et dans la prière. Et nous avons déjà dit, bien aimé, le jeûne que le Seigneur agréé dans son ministère, c'est pas 6 heures matin, 6 heures soir. Non. Ça, c'est pas non. Dans le ministère du Seigneur, dans le ministère du Seigneur, bien aimé, c'est jeûne sain. Ou pas malade, ou pas avant, ou même pas ni maladie, c'est jeûne sain. Alléluia. Alléluia. Ceci c'est pour entretenir l'onction du Saint-Esprit, bien aimé. Tu veux comprendre la parole de Dieu? Prie et jeûne aussi. Alléluia. Prie, jeûne. Reprends-toi. Constamment. Ceci, bien aimé, tu vas entretenir l'onction du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2. Viens avec moi. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, Éphésiens. Chapitre 2, Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Le peuple de Dieu est un peuple séparé. Éphésiens chapitre 2, verset 14, il dit, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation. Le mur de séparation, cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire inimitié. Alléluia. Jésus est venu et il a détruit le mur de séparation. Cela veut dire quoi? Le mur de séparation. Cela veut dire l'inimitié. Cela veut dire le voile du péché. Le voile du péché, le voile qui nous rendait aveugles. Bien-aimé. Est-ce que tu as déjà vu que lorsque tu parles à certaines personnes qui se disent chrétiens, est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a un voile de séparation? Alléluia. Dernièrement, le frère Pedro parlait. Il disait, oui, il discutait avec quelqu'un. Il dit à la personne, mais oui, mais Jésus est en train de venir. Le frère Pedro, bien aimé. Oui, mais parce qu'il parlait à personne et puis finalement il me dit, mais effectivement, il ne comprenait pas. La personne ne comprenait pas parce que j'ai dit, effectivement, la personne ne va pas comprendre parce que il y a un voile de séparation. Ses yeux ne voient pas. Il dit, frère Pedro, tu vois, parce que le Seigneur a enlevé le voile de séparation. Mais tu as parlé à la personne, mais la personne ne comprenait pas. Et voilà, et la personne t'a dit plein de choses, la personne ne comprenait pas parce que il a un voile sur son entendement. Tu as un verre qui s'est pas la sonne, mon père. Vous savez pas là? Ah, Jésus t'a voulu entendre, Jésus t'a voulu, c'est mon taille chégan ou qui t'a connaissé? Et il n'a pas chégan. Parce que le verre qui s'est pas la sonne, qui t'a une petite belle dîme. Tu m'entendais? Il n'a pas été. Il y en a un voile de séparation. Il te dit que Jésus est venu pour enlever le voile de séparation. Dans d'autres mots, Jésus est venu et a donné son sang
pour enlever le voile de séparation. Et où il y a le sang de Jésus, il n'y a pas de péché. Non. Il n'y a pas de péché. Si le péché demeure, le voile de séparation aussi demeure. Tu comprends pourquoi? Quand tu vas dans une de ces églises, tu vois que les femmes sont en pantalon, bouche fardée, gros anneaux, gros bagues, chaînes, percées là, percées partout. Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi? À cause du voile de séparation qu'il y en a. Le voile du péché. Jésus est venu afin de briser ce voile. Et nous l'avons vu, parce qu'il a dit, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Donc la chair de Jésus a été déchirée pour pouvoir déchirer ce voile-là. Mais malheureusement, bien aimé, à l'heure où nous sommes en l'an 2024, ce voile-là demeure toujours. Ce voile-là demeure toujours dans ceux qui ne veulent pas simplement eh bien, se soumettre à la volonté du Seigneur. Le voile demeure, bien-aimé. Le voile demeure. Jésus est venu afin de détruire, d'éliminer ce voile. Alléluia. Oui, Jésus est venu afin de délivrer, afin d'enlever ce voile. Je voulais entrer. L'heure qui approche la grande toile là. Le voile de séparation, notre Seigneur Jésus est venu pour pouvoir eh bien, enlever ce voile. Alléluia. Ésaïe 33, et non, 53. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, il nous dit, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, bien aimé, tu vois, tous ces châtiments du Seigneur Jésus, c'est pour pouvoir bien éliminer, effacer le mur de séparation. Entre Dieu et nous. Toutes les souffrances du Seigneur Jésus, au travers plutôt des souffrances du Seigneur Jésus, Dieu était en train de nous dire qu'il n'accepte pas le péché. Pourquoi Jésus a été crucifié? C'est parce que Jésus est venu et il a porté le péché du monde entier. Jésus a porté le péché de ceux qui n'étaient pas même, qui n'étaient même pas encore nés. Alléluia. Jésus a porté le péché de ceux qui étaient dans les rues de leurs parents, de leurs pères, de leurs mères. Tu as compris? Et Dieu a frappé Jésus à cause de cela. Alléluia. Par là, Dieu était en train de dire séparation. Séparation. Ta
avec le péché. Séparation avec tout ce qui peut te faire pécher. Est-ce que tu comprends? Amen. Il te dit séparation avec tout ce qui peut te faire pécher. Sépare-toi. Sépare-toi. Ce n'est pas un péché de te séparer de quelqu'un que tu sais, tout le temps parle sur celui-là, parle sur celui-là, parle sur non. Sépare-toi de cette personne. Pourquoi cette personne vient vers toi, donne-lui la parole du Seigneur. Donne-lui la parole du Seigneur afin que cette personne puisse s'orienter finalement. Afin que ses yeux puissent s'ouvrir. Alléluia. Que tu ne dois pas parler sur celle ou sur celui qui a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Mais oui, est-ce que c'est profond, bien aimé. Mais oui, notre sanctification va dans les profondeurs. Amen. Notre sanctification, bien aimé, va dans les profondeurs. Et oui. Alléluia. Éphésiens, oui, on l'a vu, Éphésiens, oui, nous avons vu Éphésiens. Colossiens 1. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, le chapitre 1er, dans ce chapitre 1er de Colossiens, verset 20. Il te dit, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur bien-aimé est venu faire la paix par lui-même, par le sang de sa croix, afin de réconcilier les choses célestes avec les choses bien terrestres. Ceux qui sont sur la terre, qui recevront le Seigneur Jésus et qui accepteraient justement eh bien, cette séparation. Vous savez, bien aimé, il y en a ceux qui n'arrivent pas à se séparer de leur famille. Leur famille ne veulent pas savoir du Seigneur Jésus. Non, toi, avec ton Jésus là, non. Il y en a des personnes qui n'arrivent pas à se séparer de leurs parents, de leur famille. Dans d'autres moments, il y en a ceux qui n'ont pas compris. Il y en a ceux qui n'ont pas compris que lorsque le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, s'il ne hait pas sa mère, son père, sa soeur, ses frères, ses soeurs, ses terres, et Jésus a été puissant dans sa parole afin de te prouver qu'il n'est pas en train de te dire de haïr ton père, ta mère, il te dit, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Cela veut dire quoi? Haïr ta propre vie. C'est-à-dire que bien, mon corps, mon cœur, aime être chez ma famille. Aime être mon cœur, c'est ce qu'il aime, la famille. Et le dit, haïr ton propre corps. Ah bon, tu aimes ça, ben, je ne vais pas te donner ce que tu aimes. Tu aimes être dans la famille. Je ne vais pas te donner d'être dans la famille. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit, bien aimé? Il ne te demande pas d'avoir en haine ton père, ta mère. Non, c'est pas de ce qu'il dit, que Dieu dit, non. Ça veut dire de ne pas suivre leurs conseils, de ne pas vouloir, de ne pas aimer être à table avec eux. Parce que si tu te mets à table avec eux, comment il dit ça? Joue des ivoires. Comment il dit ça? Ça s'appelle comment en français? Je pense que je devrais aller piocher pour savoir parce que le portugais là, hein, mon Pedro, hein, le portugais ça n'a bien cambé si le français touche. Et qui? Voilà, c'est bien ça, voilà.
Allez, c'est pas, mais j'allais au centre pour le chercher. Donc effectivement, il te dit, lorsque tu es à table, lorsque tu es à table, soit avec ta famille, soit avec des personnes qui ne servent pas le Seigneur, mais je vais trouver un mot, parce que si je vous dis, bon, je ne pense pas que tout le monde va comprendre, tout le monde va comprendre ce mot-là. Et voilà. Dans d'autres mots, lorsque tu t'assois, à table avec ta famille, qui ne sert pas le Seigneur, ne veut pas savoir du Seigneur, hein, il te dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu comprends? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Bien aimé. Donc, une chose, vous savez, je viens des Antilles, plus principalement de la Martinique. Et j'y vais pas très long tout le temps. Non, j'y vais pas tout le temps. Mais imagine-toi, ça Wendy, imagine-toi, je vais en Martinique. J'ai un cousin qui m'invite à manger. Une gamme que je n'ai pas vu 30 ans, 25 ans. Et que je refuse. Imagine-toi comme ça. Imagine-toi. Des gens que je n'ai pas vus 20 ans, 30 ans, m'invitent à manger chez eux. M'en pas qu'à aller. J'y vais pas. Ah, mais parce que tu es dur. C'est pas moi qui ai dur. Ça n'a rien à voir avec moi. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Lorsque tu donnes ta famille Jésus, il te dit non, 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 ça ne dit non, 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 ça, non, Jésus, là, non, non. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se moquer de ton Jésus. Et toi, dont le Seigneur a était déchiré, son sang tombé, tu vas te trouver assis à leur table, leur vin est sur la table, leur rhum est sur la table, tout est sur la table, et toi tu es là dans la conversation dont ils ont. Vous savez, bien aimé, les gens quand ils sont à table, hein, il y a toutes sortes de conversations qui viennent sur la table. Jamais il y a une conversation qui vient en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Mais non, non. Les gens ils sont sur la table, ils parlent de femmes, d'hommes, de football, de matchs aussi, de tennis, de ceci. Ils vont parler de toutes sortes de choses, sauf de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu fais assis sur la table? Autour de la table. Qu'est-ce que tu fais assis là? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais assis là? Alléluia. Si l'enlèvement arrive à cet instant-là, qu'adviendra-t-il de toi? Puisque la parole du Seigneur n'est pas en train de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc tu comprends que ceux dont Dieu a séparé, ce sont quoi? Ses esclaves. C'est pourquoi que toi qui vis dans le péché, tu es quoi? Un esclave du péché. Celui qui a mis sa vie entre les mains du Seigneur Jésus est un esclave du Seigneur Jésus. Alléluia. Et sache que celui qui vit dans le péché est un esclave du péché. Et que Jésus est déjà venu le libérer. Mais il fallait être libéré. Il était à dans le péché. Alléluia. Alléluia. Et nous allons finaliser avec juste cette phrase, bien-aimé. Tu comprends là? Le pourquoi que le déluge de Noé a eu lieu. Est-ce que tu comprends?
Le pourquoi que le déluge de Noé a eu lieu, Dieu a voulu séparer. Dieu a fait sa séparation. Noé, tu vas faire une arche comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas faire comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, tu vas entrer dans l'arche. Les animaux viendront vers toi. Voilà, tu vas, voilà. Tu vas faire. Moi, je vais te séparer de toute cette génération. Alléluia. Tu comprends pourquoi, bien-aimé, que Dieu a séparé dans le déluge de Noé. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, toi et moi, maintenant, nous devons vivre avec cela. Je suis quelqu'un dont Dieu a séparé. Donc, si tu es quelqu'un que Dieu a séparé, que Dieu a mis à part, tu as une conduite à mener sur la terre. Que tu vas en Afrique, que tu vas en Afghanistan, que tu vas en France, que tu vas au Japon, quel que soit là où tu vas, il te dit, les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent. Et il voit si réellement tu le crains. Alléluia. Bien-aimé, mettons-nous debout, nous allons finaliser avec la prière. Mais oui, alléluia. Alléluia, bien-aimé, alléluia. Et tu vas comprendre, tu as compris dans le déluge de Noé, la séparation que Dieu a faite. Et la même chose, toi et moi, nous allons comprendre le pourquoi qu'il y a cette mauvaise heure qui est en train de venir sur la terre. L'heure de la... l'heure de l'enlèvement. Est-ce que tu as compris? L'heure de l'enlèvement. Dieu va enlever de la terre tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient gardent son alliance. Ah oui. Parce qu'effectivement, lorsque tu vas t'asseoir sur la table de ta famille, de tes parents là, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas, parce que tu les parles, ils ne veulent pas, il est en train de dire, tu es en train de profaner l'alliance. Alléluia. Bien-aimé, loué soit le nom du Seigneur. Et prions. Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, nous te supplions, l'Éternel. Nous, Seigneur, qui n'avons pas encore compris le prix. Le prix, Seigneur, dont tu as payé sur la croix. Afin, Seigneur, de séparer ton peuple. Oui, Seigneur. Tu as payé ce prix, Seigneur. Afin de séparer ton peuple, Seigneur. Tu sépares toujours le saint du profane. Tu as toujours séparé ça. Mais beaucoup d'entre nous, Seigneur, n'ont pas compris, n'ont pas encore compris et ne comprennent pas ces choses, Seigneur. Le saint ne marche pas avec le profane, Seigneur. Seigneur, je te supplie pitié. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que nous devons nous séparer. Que nous devons, Seigneur, garder ton alliance. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Ceux de tes enfants, Père, qui n'ont pas encore compris ces choses, Seigneur, révèle-les ces choses. Révèle-les ces choses. Un infidèle, Seigneur, ne peut pas marcher avec un fidèle, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ces choses. Donne à tes enfants, tes serviteurs, de comprendre ces choses. Si tu sépares ton peuple, Seigneur, il y en a une raison. Au jour de Noé, Seigneur, tu as séparé le profane avec le saint. Et Seigneur, le jour de l'enlèvement, Seigneur,
tu feras la même chose. Tu prendras, Seigneur, ce qui garde ton alliance et tu laisseras ce qui ne garde pas ton alliance. Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous donnons grâce, nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur éternel, qui est la vérité? Ta parole, Seigneur, qui nous enseigne? Ta parole, Seigneur, qui est l'eau de vie, Seigneur. Cette eau, Seigneur, qui lorsque nous la gardons, qui créera en nous, Seigneur, cette source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Père, nous te rendons grâce et nous te disons, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes les oreilles qui ont été attentives, les cœurs qui ont été attentifs à ta parole. Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Prenons cette opportunité, Seigneur, afin de te présenter, Seigneur, les dîmes, les offrandes, les enfants qui ont compris que tout vient de toi et que tout appartient. S'ils en ont, Seigneur, là, Seigneur, c'est une grâce imméritée. Et que par ta bonté, Seigneur, parce qu'ils ont compris, Seigneur, que tout vient de toi, ils partagent avec toi. Et dans le nom de Jésus, nous te supplions de garder leur maison, de visiter leur table, que leur pain, Seigneur, quotidien soit constamment sur leur table dans le nom du puissant de Jésus. Père. Seigneur, nous te bénissons pour chacun de tes enfants qui sont venus en ce lieu, pour, Seigneur, récupérer. Récupérer, Seigneur, et garder ce don, Seigneur, tu as apporté pour chacun d'entre nous en ce jour. Père, dans le nom du puissant de Jésus, garde ces cœurs, garde-les, ces paroles dont, Seigneur, ils ont entendu. Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse garder ces paroles. Afin que ces paroles, Seigneur, puissent, Seigneur, nous permettre de grandir, grandir, grandir pour toi, dans le nom de Jésus. Et nous voulons te présenter le chemin de retour de chacun de tes enfants. Ceux qui prendront le chemin, Seigneur, tant en voiture comme à pied. Ceux qui sont loin comme auprès. Je te supplie dans ton amour, Père. Garde tes enfants sur tout le long de cette route. Et conduis-les, Seigneur, dans leur demeure, dans ta paix, dans le nom du puissant de Jésus. Garde-nous dans le nom de Jésus. Garde chacun de tes enfants. Amène chacun dans leur maison, dans ta paix. Et que chacun d'entre nous puisse garder, Seigneur, les paroles dont nous avons entendu dans ce jour. Verset dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et Amen.